Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Affaire G5 Sahel, le président du Niger Mohamed Bazoum acte la fin de cette organisation sous-régionale. Pour le chef de l'État, les forces maliennes ne remplissent pas leur mission dans la zone des trois frontières. Notre frontière avec le Mali est sous la coupe de l'État islamique au Grand Sahara. Bamako n'a pas investi les postes avancés dans cette zone. Dans ce long entretien au journal français, Mohamed Bazoum interpelle également directement le président français Emmanuel Macron. « Que attendez-vous de lui ?» interroge le journaliste, « une présence de Barkhane plus conséquente et plus d'équipement pour nos armées. » Pour le président du Niger, les Occidentaux doivent changer leurs règles d'engagement. Les Occidentaux en opération prennent trop de précautions. Ils doivent consentir à un peu plus de sacrifices et ne pas être hantés par les pertes. Mohamed Bazoum s'exprime enfin sur le sentiment anti-français, pour lui instrumentaliser par des officines mobilisées derrière ce courant. Loin d'exprimer pour le chef de l'État une réalité, sur le terrain, les populations n'ont pas ce problème. Elles ne demandent qu'une chose, que la présence des Occidentaux contribue à lutter efficacement contre les terroristes.